Catastrophe naturelle dans la province du Haut-Katanga. Le caucus des députés de cette province a échangé avec le ministre de l'Action humanitaire. Au menu de leur rencontre, la gestion des dégâts causés par les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues dans cette partie du pays. La province du Haut-Katanga n'a pas été épargnée du débordement de certains lacs et rivières de la partie est du pays. Suite au lac Sismé, elle en a pris en compte deux dégâts causés par ce phénomène naturel. Par le gouvernement central, les députés nationaux du Haut-Katanga, réunis au sein de leur caucus, ont profité du passage du ministre national des Actions humanitaires, Steve Mbikai, pour lui présenter le problème. Et donc nous sommes conscients que le gouvernement assiste les populations. Mais nous avons été surpris de voir que le Haut-Katanga a été quelque peu oublié. Nous sommes tous affectés. Et chaque fois qu'il y a une population qui est affectée, il est normal que le gouvernement vienne en aide. En chapelet des effets néfastes causés par ce phénomène naturel, lui ont été soumis trois circonscriptions sont fortement touchées, à savoir Kasenga, Mitwaba et Sakania. Ça fait pratiquement plus d'une semaine que nous recevons les cris de détresse de notre population, le peuple qui nous a élus. Pour dire que voilà, il y a des champs, des maisons qui sont inondées, il y a des vies humaines qui sont perdues. Alors aujourd'hui, nous sommes venus dire que non, on ne peut pas tolérer voir le ministre aller résoudre des problèmes ailleurs, pendant que chez nous, nous avons aussi connu les mêmes cas. Ayant reçu le mémorandum du caucus, Steve Mbikai les a rassurés la détermination du président de la République et du Premier ministre dans les actions humanitaires. Une deuxième phase d'assistance est en vue, le Haut-Katanga va être intégré. D'abord, il faut dire que le député était très mécontent de ceux du Haut-Katanga. Ils ont pensé qu'il y a eu deux poids deux mesures par rapport à notre gouvernement. Mais je les ai tranquillisés par le chef de l'État et le Premier ministre. Ils sont très, très sensibles à tout ce qui touche à la population, quels que soient les lieux. Mais parce qu'on ne peut pas tout faire au même moment, il y a eu d'abord une première phase de la caravane humanitaire qui nous a conduit là où on a été. Il y aura une deuxième phase dans laquelle le Katanga, au Katanga, sera sûrement intégré. On ne peut pas, n'est-ce pas, faire le deux poids deux mesures parce que nous sommes pour tout le monde. Donc les députés du Katanga peuvent se tranquilliser dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je suis persuadé que le chef de l'État va donner instruction et que le Premier ministre va donner des orientations pour que nous puissions aussi voler au secours des sinistrés du Katanga. Ces catastrophes naturelles ont laissé dans la rue plusieurs familles, plusieurs champs sont noyés, plusieurs familles sont plongées dans la pauvreté.